L'Institut du pétrole et du gaz de Port-Gentil découle du constat de l'ensemble des opérateurs du faible nombre de compétences pour le secteur pétrolier sur le marché de l'emploi gabonais. C'est une politique générale et l'exemple de Total dans le domaine du pétrole et du gaz est en train d'être repris par plusieurs entreprises. Et il est important de souligner que dans sa relation avec les entreprises françaises, nous encourageons celles-ci à mettre au premier rang de leur responsabilité sociétale la formation de leur personnel et donc la gabonisation des emplois.